Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Rey, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne et tout de suite, on va parler de prologue. Alors, la source principale de ces transparents a été le livre de Louis Gacoigne, dont l'adresse est ici, avec une version allégée du livre qui est disponible gratuitement ici. Je vous conseille d'aller l'acheter et de le lire, il est très bien. On utilisera comme outil SwiftProlog. Alors, par exemple, en version portable qui est disponible ici, sinon il y a le site de SwiftProlog qui nous permet de télécharger une version qui va s'installer. L'avantage de la version portable, c'est qu'on n'a pas l'obligation d'avoir les droits pour installer des choses sur une machine pour pouvoir l'utiliser. Et on a aussi la version Swish qui est une version de Swift en ligne. Alors, tout d'abord, je vous propose de mener une enquête. Ça va être l'enquête de l'inspecteur Maigret qui va vouloir identifier des suspects qu'il doit interroger par rapport à un certain nombre de faits. Alors il a une règle, l'inspecteur Maigret, c'est que pour lui, un individu va être suspect s'il était présent dans un lieu un jour où un vol a été commis et s'il a pu voler la victime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir voler la victime? Ça veut dire qu'il avait un mobile, soit qu'il était sans argent, soit par jalousie, tout simplement. On ne retient que deux mobiles dans cet exemple. On va disposer de faits sur des vols. Et par exemple, on saura que Marie a été volée lundi à l'hippodrome, Jean mardi au bar et Luc jeudi au stade. Donc, il y a eu trois vols qui ont été commis. Par ailleurs, on sait, enfin l'inspecteur en l'occurrence, sait que Max est sans argent, que Kev est très jalouse de Marie. Et enfin, il est attesté que Max était au bar mercredi, Eric était au bar mardi. Et Ève était à l'hippodrome lundi. Voilà, on ne prend pas en compte la présence des victimes comme possibilité qu'ils aient été aussi voleurs ce jour-là. Donc, a priori, être victime, ça dédouane. On ne peut pas être suspect. Alors, autrement dit, si on essaye de classifier toutes ces informations, on a d'un côté des règles d'investigation, c'est-à-dire qu'un individu peut avoir une raison de voler s'il n'a pas d'argent, ou alors s'il est jaloux de sa victime. Et puis, on a aussi la définition de qu'est-ce qu'un suspect. Eh bien, un suspect est quelqu'un qui était présent dans un lieu un jour où un vol a été commis et en plus, il avait une raison de voler. Ça, ce sont les règles que va suivre l'investigateur. Et puis, les faits, maintenant. Eh bien, les faits, c'est vont concerner les vols. Marie a été volée lundi à l'hippodrome, Jean a été volé mardi au bar et Luc jeudi au stade. Et on a d'autres faits, comme par exemple le fait que Max n'a pas d'argent, le fait qu'Ève est jalouse de Marie, que Max était au bar mercredi, que Eric était au bar mardi et que Ève était à l'hippodrome lundi. Voilà, on a une hypothèse qui est donc qu'une victime ne peut pas être considérée comme voleur le même jour. Donc ça, c'est déjà une première étape dans la modélisation de notre problème, en fait. Parce qu'on va voir qu'évidemment, Prologue va nous servir à résoudre ce problème. On va faire l'enquête à notre place. Et donc la question, c'est qui est suspect? Alors la réponse, si jamais on regarde bien tous les faits et toutes les règles, bien c'est que Ève va être suspectée. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse de Marie, donc elle a une raison de voler Marie. Et en plus, elle était à l'hippodrome lundi et Marie a été volée à l'hippodrome lundi. Donc voilà, elle est fortement suspectée. Donc on a trois points, trois raisons qui nous font suspecter Ève. Est-ce qu'il y a d'autres suspects? Eh bien non, il n'y a pas d'autres suspects, mais il faudrait le prouver. On verra comment. Alors le premier programme Prologue qu'on va écrire, ben, c'est un programme qui va résumer toutes ces informations-là, mais avec une syntaxe Prologue. Donc ici, on va avoir les règles d'abord. Donc, suspect de X est défini comme quoi? Suspect de X, ça veut dire. On considère que X est un suspect, avec X une variable, évidemment, on ne sait pas encore qui on va mettre à la place de X. Si X était présent dans un lieu L le jour J, et si X a une raison de voler Y, et si Y a été volé dans le lieu L le même jour, dans le même lieu L le même jour J. Voilà l'explication de la première règle.
Maintenant, voyons les règles qui traduisent les mobiles du vol. Donc, X va avoir une raison de voler quelqu'un, peu importe son nom. C'est pour ça qu'on a mis ici un caractère souligné. Si X est sans argent. C'est-à-dire que si X est sans argent, alors forcément, il a une raison pour voler n'importe qui. Et puis maintenant, aussi, on pourra dire que X a une raison pour voler Y si X est jaloux de Y. Jaloux ou jalouse de Y. Donc voilà nos trois règles. Puis maintenant, les faits. Bon, ben, les faits, on voit, c'est très simple. Là, on a le fait que, le fait que Marie a été volée à l'hippodrome lundi. Donc comment on écrit ça? On écrit ça avec vol Marie hippodrome lundi. On a une autre information sur un vol, celle du vol de Jean qui a été volé mardi au bar, et celle du vol de Luc qui a été volé jeudi au stade. Puis on a les autres informations comme on les voyait précédemment. Donc on voit que là c'est la troisième fois qu'on redit la même chose en fait, mais avec des syntaxes un petit peu différentes. Et maintenant la requête par rapport à ce programme-là. Eh bien, ça va être tout simplement, je cherche toutes les personnes. Alors ici, personne, c'est aussi un nom de variable, parce que en prologue, quand on a un nom écrit avec une majuscule au début, c'est un nom de variable. Donc par exemple, X ici, clairement. Mais personne, comme il y a un P majuscule, c'est aussi un nom de variable. Donc on veut chercher toutes les personnes qui sont suspectes, d'après la définition du prédicat suspect. Ici, suspect, c'est un prédicat. Donc voilà, on a trois règles, on a ce qu'on appelle des faits, et la requête, qu'on peut appeler la requête aussi, peut être aussi appelée un but. Alors on a d'autres éléments de vocabulaire, avant d'aller plus loin, de voir comment Prologue nous permet de résoudre cette enquête. Quand on a une règle, on a tout ce qui est à gauche de la règle, ce qu'on appelle la tête. En général, c'est un prédicat avec des variables ou des arguments, entre parenthèses. Et puis, on a le corps de la règle ici, composé d'un ou plusieurs prédicats avec leurs arguments. Donc, à nouveau, pour cette règle-là, on la lit de la manière suivante. X est suspect s'il est présent dans un lieu L le jour J, et s'il a une raison pour voler Y, et si Y a été volé le même jour dans le même lieu L. On dira que, par exemple, raison pour voler quelqu'un de XY, donc un prédicat avec ses arguments, on dira que ça, c'est un atome. Donc, raison pour voler quelqu'un, c'est un prédicat, on l'a dit. Présent de Max Barr mercredi, on a dit que c'était un fait, hein, ça fait partie des faits, c'est la connaissance et ce qu'on sait, d'accord, qui est vrai. On sait que Max était bien présent au bar mercredi. Ça, c'est sûr. Et le but, c'est donc la requête. Alors là, il y a un petit bug. Parce que dans suspect, il n'y a qu'une seule variable. X. Et donc les variables sont des mots commençant par une majuscule. Les constantes, c'est-à-dire les données du problème, sont des mots commençant par une minuscule. Par exemple, max, bar, mercredi. Et puis, on pourra aussi trouver dans la littérature donc, le connecteur syntaxique qui fait le lien entre la tête et le corps d'une règle, c'est deux points tirés, ou bien c'est une flèche aussi vers la gauche. Et pour la requête, ça sera un point d'interrogation tiré. Donc là, eh bien, l'idée, c'est de décrire ce programme avec SWI et d'essayer de le modifier pour voir quelles sont les conséquences. Donc on va le faire tout de suite. Alors, je vais faire un copier-coller. Je vais aller dans Swish et je vais faire un copier-coller du programme. Voilà, alors, quand on arrive dans Swish, donc qui est la version en ligne de Swift Prologue, on arrive sur une interface comme ceci, où là, il nous propose en début soit de créer un programme, soit de créer un notebook. Alors, on va créer un notebook parce que dans le notebook, en fait, on peut créer des programmes et on peut lancer des requêtes et ça garde une trace de toutes les requêtes qu'on a lancées. C'est assez pratique. C'est pas forcément très pratique pour écrire un programme, mais comme nos programmes sont courts, c'est plus simple. Et ici, on va pas se baser sur, enfin, on va garder le fait de partir d'un fichier vide.
Donc, hop, on crée un notebook. Alors, un notebook, c'est quoi? Eh bien, ça va être une espèce de feuille de calcul. Sauf que dans cette feuille de calcul, on va pas faire des calculs un peu à l'image de Maple ou de Mathematica, mais on va créer des programmes et créer nos requêtes, exécuter notre requête pour voir le résultat. Donc on va d'abord créer un programme. Du coup, là, je vais revenir sur le programme et je vais faire un copier-coller directement. Voilà. Ça, c'est le programme. Et on va créer maintenant une requête. Et je vais copier-coller la requête. Ici. Voilà. Alors, quand on manipule un notebook, en fait, la partie à droite là, de l'interface, on ne s'en sert pas. Enfin, on s'en sert pas toujours. Pas très souvent. Donc là, pour exécuter la requête, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur exécuter, sur Run Query. Alors, on exécute la requête et ça nous renvoie personne égale Eve. Et puis c'est tout, on n'a pas d'autres résultats, c'est donc qu'il n'y a pas d'autres candidats potentiels, enfin qu'on peut considérer, personne potentielle qu'on peut considérer comme suspecte. Il n'y a que Eve ici qui correspond à la définition de suspect, qui était présent. Sur un lieu où une personne a été volée le jour où elle a été volée, qui a une raison de voler cette personne-là. Et voilà, et ça correspond donc à la personne qui a été volée ce jour-là dans ce lieu-là. Alors, bon, c'est bien, ça marche, d'accord, puisque a priori on a le même résultat, soit il nous donne le même résultat que le résultat qu'on avait pu. Par nous-mêmes en regardant les divers éléments et les règles, les faits et les règles. Par contre, ça serait bien de savoir un peu comment on fait pour obtenir ce résultat. Alors, avant toute chose, on peut jouer un peu. Par exemple, si on suppose que donc c'est Marie hein, qui a été volée à l'hippodrome lundi, Ève qui est jalouse de Marie et Ève qui était présente à l'hippodrome lundi. Donc, on voit bien. Ça correspond bien à la définition d'être suspect. Si maintenant on suppose que Ève n'était pas jalouse de Marie, mais était jalouse de Sophie, par exemple. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on exécute la requête, on obtient false, c'est-à-dire directement aucune réponse. Donc on voit bien que le fait que Ève est jalouse ou pas de Marie, ça s'est bien pris en compte dans la résolution de la requête. Si on remet Marie, qu'on exécute, voilà, à nouveau, Eve est suspecte. Maintenant, regardons peut-être pour avoir un deuxième suspect. Par exemple, Luc était au stade, a été volé au stade jeudi. Alors, personne n'était au stade jeudi, donc alors, on va prendre plutôt Jean. Jean a été volé au bar mardi. Eric était au bar mardi. Et du coup, maintenant, il nous faut uniquement un mobile. Donc, le mobile, c'est quoi? C'est soit être sans argent, soit être jaloux. C'est-à-dire que soit Eric est jaloux de Jean, mais on n'a pas ça. Soit Eric n'a pas d'argent, mais on n'a pas ça. On sait que Max n'a pas d'argent. Alors, par exemple, si on remplace Max par Eric, normalement, là, on a un mobile. Eric n'a pas d'argent. Il était au bar mardi et Jean s'est fait voler au bar mardi. Normalement, on devrait avoir deux suspects maintenant. Voilà, alors premier suspect, première réponse. Et après, on a la possibilité, via l'interface, de faire défiler les autres réponses. C'est-à-dire que dès qu'il trouve une réponse, Prolog nous l'affiche et s'arrête. Et on peut soit s'arrêter là en lui disant bah non, c'est bon, stop. Soit on fait défiler la prochaine réponse, soit les 10 prochaines, les 100 prochaines ou les 1000 suivantes. On va faire défiler la prochaine et après vous voyez que on n'a plus le choix de faire quoi que ce soit et donc c'est bien les deux seules réponses. Voilà, donc là on a bien deux suspects parce que Eric, à nouveau, comme Eve, finalement satisfait tous les critères pour être un suspect qui sont ici. Supposons maintenant qu'en plus on rajoute dans notre programme, le fait que Eric est jaloux de Jean.
ce qui serait un deuxième mobile. D'accord? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Eric est obtenu. Eric est obtenu une deuxième fois. Et Eve est enfin obtenue. Donc, on voit bien que ici, un deuxième mobile, finalement, font que, en quelque sorte, la règle suspect, la règle qui définit quand quelqu'un est suspect, eh bien, elle est validée deux fois, pour deux raisons différentes. En effet, à la fois Eric est sans argent, donc c'est une première, ça suffit pour le considérer comme un suspect. Mais en plus, Eric est jaloux de Jean. Et donc, bah, c'est une deuxième cause qui suffit en elle-même à considérer Eric comme un suspect. C'est pour ça qu'il apparaît deux fois ici. Voilà. Alors, on va remettre le programme comme il était précédemment pour les exemples futurs. Et on va revenir à la présentation. Alors, ici, donc je ne vais pas trop m'attarder parce que ça fait référence en fait à la version. Quoique on peut le faire quand même, on peut exécuter. Oui, on peut le faire. C'est-à-dire que on vient de voir comment on manipulait. Switch. Maintenant, on peut voir comment on manipule SweepRolog directement. Alors, SweepRolog, quand vous l'installez, vous le décompressez, bref, vous avez et que vous le lancez, vous avez cette interface-là. Alors, c'est SweepRolog version Windows. Hein. Voilà. Pour pouvoir exécuter un programme sous SweepRolog, il faut créer un fichier. Donc, il faut faire File. New par exemple. Voilà, donc là on va créer un fichier enquête.pl. On l'enregistre. SweepRolog version Windows nous ouvre alors un éditeur de texte qui est ici. Alors évidemment, ben, on va aller rechercher le code. Du programme, juste pour le faire, pour vous montrer comment ça marche avec SweepL. Voilà. Donc, je sauvegarde. Alors, c'est pas très pratique, le menu ne s'affiche pas au bon endroit. Ok. Bon. Bref, on sauvegarde. Voilà, c'est save buffer. Voilà, contrôle S si vous préférez, si vous êtes plus habitué. Je vais le mettre ici et je vais mettre la présentation là. Voilà. Donc voilà, alors fichier.pl, on a. Oui, alors effectivement, il vaudrait mieux mettre d'abord les faits et ensuite les règles. On va faire ça. Voilà. On va sauvegarder. Et ensuite, dans Sui, enfin, pour que ça soit compilé, il va falloir faire. Donc là, on peut sauvegarder le fichier, on a sauvegardé, on peut sortir de l'éditeur et on peut revenir à Sui. Et là, on va faire consulte ici et on va consulter notre fichier. Consulte, ça veut dire voilà, examine le fichier et mets-le en mémoire. Donc là, le message est vert, 11 clauses. Alors, les clauses, c'est à la fois les faits et les règles. Donc il y a pas de souci. Si jamais il y a des problèmes de syntaxe ici ou des erreurs, ça va s'afficher à cet endroit-là. Et maintenant, on va pouvoir taper notre requête qui est suspect. Donc suspect de X. Point. Oui, je ne l'ai pas dit, faites bien attention, le point il est obligatoire à chaque fin de fait, de règle ou de requête. On appuie sur Entrée et voilà. Et là, on a Eve comme précédemment. Et donc, comme précédemment, évidemment, si jamais on changeait le fichier, le contenu du fichier, on aurait des résultats un peu différents.
Voilà. Voilà, il suffit d'appuyer, alors dans Swift, il suffit d'appuyer sur la touche point-virgule pour afficher la solution suivante une fois que la première, enfin une fois qu'une solution vient d'être affichée. Pour arrêter d'afficher les solutions, il suffit d'appuyer sur Entrée. Voilà, donc là, on a fait vraiment notre premier programme, nos premiers essais en Prolog. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a en fait, on a raisonné. On a fait, enfin, on a raisonné. C'est pas nous qui avons raisonné, c'est la machine qui a raisonné. On a fait raisonner la machine, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a décrit des règles et des faits, on a formulé une question, et la machine a calculé les réponses à la question, qui sont des conséquences logiques des règles et des faits. On a fait raisonner cette machine. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait un programme, mais enfin, si vous regardez le programme, on n'a pas dit à la machine, à tel moment donné, tu fais ceci, tu mets telle valeur dans telle variable, pour un compteur qui va de 1 à 10, tu fais ceci, tant que tel résultat est différent de 12, alors tu fais cela. On n'a pas dit ça. On n'a pas décrit comment la machine devait calculer ce qu'elle devait faire précisément. D'accord? On a juste décrit ce qu'on voulait obtenir, puisque notre requête, c'est suspect de x, et c'est tout. Nous, on veut toutes les valeurs avec lesquelles on peut remplacer x, telles que la valeur en question peut être considérée comme un suspect. C'est donc ce qu'on appelle un programme déclaratif par rapport à la programmation impérative que vous connaissez, que vous pratiquez avec les langages classiques type C, C++, C Sharp, Java, etc. Donc ça, c'est quand même très intéressant, cet aspect déclaratif et cet aspect raisonnement. Alors, donc l'aspect raisonnement, c'est vraiment ce qui a motivé ce qui a motivé à la base le prologue. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un moteur un peu générique qui nous permette de faire raisonner une machine à partir de faits et de règles. Voilà, pour pas avoir à le faire à la main, parce que au-delà d'un certain nombre de faits et de règles, c'est juste plus possible, quoi. On peut pas le faire, ça devient vraiment, enfin, on pourrait le faire si on avait des milliers d'années devant nous. Mais c'est pas le cas. Et alors, à partir de ces capacités de raisonnement, en réalité, on a les prologues actuels, comme SweetProlog par exemple, mais il y en a plein d'autres. Les prologues actuels sont en fait devenus de véritables langages de programmation à part entière. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on peut utiliser Prolog en déclaratif comme on l'a fait, pour faire raisonner, sans avoir à décrire comment Prolog doit raisonner, puisque c'est déjà codé en interne dans Prolog. Mais on peut aussi utiliser Prolog comme un langage en quelque sorte impératif, avec un certain nombre de contraintes, mais aussi de possibilités. Mais ça, on le verra plus loin. Pour le moment, voilà, pour le moment, c'est plutôt l'aspect raisonnement et programme déclaratif qu'il faut retenir. Alors tout ça, c'est basé sur la SLD résolution. Vous avez vu en cours l'approche par tableau pour raisonner en logique du premier ordre ou en logique propositionnelle. Ici, ce qui permet de raisonner, ce qui permet de faire raisonner en fait les implémentations de Prolog, c'est le principe de la SLD résolution. La SLD résolution, c'est un semi-algorithme basé sur une règle d'inférence, qui est une règle de déduction. Alors pourquoi semi-algorithme? Parce que potentiellement, ça peut boucler à l'infini si on ne fait pas attention. Alors l'énoncé donc de cette règle d'inférence à la base de la SLD résolution, donc la règle d'inférence de résolution tout court, elle nous dit quoi? Elle nous dit, en fait, elle va nous permettre de réécrire une situation dans laquelle on a une règle ou un fait et un but. Donc une règle, c'est une tête B0 avec un corps qui est un ensemble d'atomes, donc B1, Bn. Et un but, c'est un ensemble d'atomes A1, AM. D'accord? AI, A1, AI, AM. L'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire, si on trouve une fonction
des variables vers les variables ou des variables vers les constantes telles que en appliquant cette fonction à B0 et à AI, alors j'obtiens exactement la même chose syntaxiquement, le même terme. Alors je vais pouvoir remplacer AI par le corps de la règle modulo l'application de la fonction. C'est-à-dire que si on part de cette règle-là et de ce but-là, de cette requête-là, et que il existe une fonction qui nous permet d'unifier, parce que ça c'est l'unification, f de B0 égale f de AI, c'est l'unification de B0 et de AI. Si on peut unifier syntaxiquement les deux en changeant certaines de leurs variables par d'autres variables ou par des constantes ou par des termes avec des fonctions, bref, en changeant certaines variables, si on peut avoir le même terme des deux côtés de l'égalité, alors on va pouvoir déduire le but qui est ici. J'aurais dû mettre d'ailleurs le point d'interrogation tiret, mais je vais le faire tout de suite. Donc on peut déduire le but. Ce but-là. Et de fil en aiguille, en fait, évidemment, on ne va pas l'appliquer qu'une seule fois. L'appliquer qu'une seule fois, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de l'appliquer beaucoup de fois. Et quand on l'applique beaucoup de fois, alors là, on voit qu'en fait, on passe d'un but qui a m atomes à un but qui a m-1 plus n atomes. Mais c'est parce qu'on est parti d'une règle, d'accord? On a échangé en fait AI contre, on a remplacé AI par l'ensemble des BJ. Mais par contre, on peut le faire aussi avec des faits. Et là, dans ce cas-là, un fait, en fait, c'est juste une tête de règle. Et donc, un corps vide. Et donc, si on arrive à unifier AI avec B0 et que B0 est un fait, en fait, on enlève simplement AI. Et donc, le nombre d'atomes dans le but est réduit. Et en fait, l'objectif de la procédure de SLD résolution, c'est d'appliquer ce mécanisme-là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun atome dans le but. Voilà. Ça veut dire qu'on a trouvé une solution. Bon. On va le voir plus en détail. Donc ça, c'est l'unification. Alors un exemple. Par exemple, donc ça, c'est ce qu'on vient de dire précédemment. Supposons qu'on prenne la règle suspect de x, qui est donc la précédente, et la requête suspect de personne. Alors si on voit bien, si on regarde bien, on a la possibilité d'unifier la tête de la règle ici, suspect de x donc, avec suspect de personne. Il suffit de remplacer x par personne. On a remplacé x une variable par personne une autre variable. C'est exactement le genre de fonction qu'on veut, ça s'appelle une substitution. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous permet de faire quoi, ça? La règle de résolution nous dit, bon bah, si vous aviez le but suspect de personne et que vous pouvez unifier suspect de x avec suspect de personne, alors vous pouvez remplacer suspect de personne par le corps de la règle à laquelle on applique la fonction. Donc la fonction f, elle remplace x par personne. Donc on remplace suspect de personne par ces trois atomes-là, en faisant attention à remplacer x par personne. C'est pour ça qu'on obtient présent de personne LJ, raison pour voler quelqu'un de personne Y et vol de Y LJ. Puisque la fonction qu'on a trouvée qui permet d'unifier suspect de x avec suspect de personne, elle n'agit que sur x. Ça, c'est un exemple avec une règle. Maintenant, avec un fait. Si à la place d'une règle, j'ai un fait, et si j'ai la requête suivante, donc qui est une requête composée de plusieurs atomes. Donc, par exemple, ici, je cherche toutes les valeurs de LJ Y, telles que, et personne aussi, telles que personne soit présent au lieu L le jour J, telles que personne a une raison de voler Y, et telles que Y était au même lieu L le même jour J. Donc, j'ai ma requête en cours ici, et je regarde, ah ben j'ai un fait, je sais que j'ai vol de Marie Podrome lundi. Donc là, je trouve un atome facilement, celui qui commence par le même prédicat, vol de YLJ, avec une fonction f qui va me permettre de remplacer Y par Marie, L par Hippodrome, et J par lundi. Et avec cette fonction-là, je peux unifier les deux atomes en rouge
vol Marie Podrome lundi et vol Y L J. Mais comme donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir remplacer vol de Y L J par le corps de la règle qui correspond à vol Marie Podrome lundi. Sauf que le corps est vide puisque c'est pas une règle, c'est un fait et un fait a un corps vide. En fait, un fait c'est une règle mais qui a un corps vide. Donc ça veut dire que je vais juste enlever l'atome vol de Y L J. Et je vais garder le reste de la requête en faisant bien attention, par contre, à appliquer la fonction f que j'ai trouvée précédemment. C'est-à-dire que L, que dans présent, je vais remplacer L par hippodrome, J par lundi, et Y, dans raison pour voler quelqu'un, Y va être remplacé par Marie. C'est pour ça que j'obtiens maintenant cette requête-là. On voit bien que là, du coup, la requête qu'on avait précédemment au départ, avant l'application de la règle de résolution, la requête qui était composée de trois atomes n'est plus composée que de deux atomes. Et donc, encore une fois, si jamais au bout d'un certain nombre d'applications de cette règle-là, j'arrive à enlever tous les atomes de la règle, de la requête, pardon. Donc ici, si j'arrive à enlever l'atome présent de personne hippodrome lundi et l'atome raison pour voler quelqu'un de personne Marie, j'ai donc une requête qui sera vide, et ça veut dire que j'aurai trouvé une solution à mon problème. Voilà, alors l'arbre de résolution, c'est celui-là. Alors on ne voit pas forcément très très bien. Je vais faire un petit zoom. Donc on commence avec la requête suspect de x. Comme on a la règle suspect de x0, enfin la règle la première règle hein, qui définit ce qu'est un suspect, qu'on peut unifier suspect de x avec suspect de x0, alors il suffit de remplacer suspect par le corps de la règle. Donc j'obtiens ça. Après, donc ma requête est plus grande, d'accord? Il y a plus d'atomes dans ma requête que précédemment, puisque là, au départ, j'avais un atome dans ma requête, et maintenant j'en ai trois. À partir de là, je vais regarder chaque atome l'un après l'autre. Donc le premier atome de la requête, c'est présent de XLJ. Donc je vais essayer de trouver une règle ou un fait qui peut s'unifier avec présent de XLJ. En réalité, quand on regarde les faits dans le programme, on a trois faits. D'accord? On a qui peuvent s'unifier avec présent de XLJ. On a le fait présent Max Bar mercredi. On a le fait présent Eric Bar mardi. Et on a le fait présent Eve Hippodrome lundi. Donc chacun va nous permettre de modifier notre requête, d'avancer un peu, puisque en fait chacun peut s'unifier avec présent de XLJ. Il suffit par exemple pour le premier de trouver la fonction f qui va remplacer x par max, L par bar et J par mercredi. Dans ce cas-là, comme j'ai un fait, je fais les mêmes remplacements dans les deux autres atomes, raison pour voler quelqu'un et vol. Et j'enlève l'atome présent de XLJ. Ça me donne cette version-là de la requête. Et puis je continue. Donc je continue, c'est-à-dire je prends le premier atome de la requête, raison pour voler quelqu'un max Y, et j'essaye de trouver un fait qui peut s'unifier avec ça, ou une tête de règle qui peut s'unifier avec ça. Alors, j'ai en fait deux règles, les deux règles en fait qui définissent le prédicat raison pour voler quelqu'un. La première qui me dit qui relie ça avec le manque d'argent, et la deuxième qui relie ça avec la jalousie. Donc là encore, j'ai deux possibilités pour avancer dans mon processus d'application de la résolution. Chaque flèche ici, c'est une application de la règle de résolution. D'accord? Et le processus complet, c'est ce qu'on appelle la SLD résolution. Donc ici, j'applique la résolution, par exemple, avec la règle raison pour voler quelqu'un de x0 si x0 est sans argent. Ça me permet quoi? Ça me permet de remplacer raison pour voler quelqu'un max y par sans argent de max. Puisque je remplace par le corps de la règle. Et que ma fonction en fait d'unification ici, c'est f de x0 égale max. Donc je remplace par sans argent de x0, c'est-à-dire par sans argent de max. J'obtiens une version de ma requête qui est maintenant de plus en plus précise, c'est-à-dire que au début je cherchais à savoir qui était suspect,
Et maintenant, je cherche à savoir si ce que j'ai dans ma requête, c'est toujours vrai, c'est-à-dire si Max est bien sans argent, et s'il existe des Y qui se sont fait voler au bar mercredi. Donc là, à nouveau, je répète, je réapplique la règle de résolution sur le premier atome, c'est-à-dire sur sans argent de Max. Est-ce que je peux unifier sans argent de Max avec un fait ou avec une tête de règle? Eh bien, oui, puisque j'ai le fait sans argent de Max tel quel écrit dans mon programme. Donc ça veut dire que je peux enlever sans argent de Max de ma requête. Il me reste donc vol de Y bar mercredi. Et là, même question, est-ce que je peux unifier vol de Y bar mercredi avec un fait existant dans mon programme ou avec une tête de règle? Et là, je ne peux pas. D'accord? Il n'y a aucun fait et aucune tête de règle qui peut s'unifier avec ça. Donc, eh bien, je suis sur un échec ici. C'est-à-dire que finalement, le raisonnement que j'ai essayé de faire, qui m'a fait considérer que potentiellement c'était Max le suspect, donc j'ai creusé sur le mobile de Max, j'ai regardé s'il n'avait pas d'argent, il avait effectivement pas d'argent, donc il avait un mobile, mais par contre, ben, il n'y a personne qui a été volé au bar mercredi. Donc ça, alors ensuite. Donc ensuite, ben ensuite on remonte, on fait un retour en arrière, d'accord? On appelle ça un backtracking. On revient en arrière là où on avait eu un choix, au dernier choix qu'on a eu. C'est-à-dire que le dernier choix qu'on a eu, c'était donc ici entre l'application de cette règle-là, raison pour voler quelqu'un lié à sans argent, ou raison pour voler quelqu'un lié à jaloux. Donc maintenant, on va tester si du côté de la jalousie, il n'y a pas quelque chose à creuser. Du coup, si Max, en fait, s'il est vrai que Max a une raison pour voler quelqu'un, la deuxième possibilité, c'est que Max était jaloux de Y. On essaie d'appliquer la règle de résolution ici avec jaloux de Max Y. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut unifier jaloux de Max Y avec un fait ou une tête de règle? Eh bien non, là encore on ne peut pas. Donc là encore, c'est une piste qui aboutit à un échec. C'est pas le bon raisonnement. Donc on remonte par backtracking au choix précédent, au choix d'avant encore. Donc le choix d'avant, il se fait ici. Ici, donc on a examiné, en fait, précédemment, on a examiné la branche avec Max qui était présent au bar mercredi, mais ça n'a rien donné. Maintenant, on va examiner la branche avec Eric présent au bar mardi. Puisque ça peut s'unifier, puisque c'est un fait qui peut s'unifier avec la tête de la règle, donc présent XLJ. Donc on obtient la requête, par résolution, on obtient la requête suivante. On obtient le fait que on doit vérifier si Eric a une raison pour voler quelqu'un Y, et si ce même Y était au bar mardi. Là encore, on a deux possibilités, puisqu'il y a deux définitions du mobile, le manque d'argent et la jalousie. Donc manque d'argent déjà. Donc on doit vérifier maintenant si Eric est sans argent. Alors au départ, Eric n'est pas noté comme étant sans argent. Il n'y a pas de fait sans argent Eric dans le programme. Et il n'y a pas de règle qui commence avec une tête qui a une tête dont le prédicat est sans argent. Donc on n'a pas la possibilité d'unifier le premier fait sans argent de Eric avec quoi que ce soit. Et donc, eh ben, on est sur un échec. Pour la jalousie, c'est pareil, on est sur un échec. Donc on revient au choix qui nous reste encore. Qu'on a encore à disposition, qui est le fait d'unifier présent de XLJ avec présent de F hippodrome lundi, qui est le troisième fait présent qui peut s'unifier avec présent de XLJ. Du coup, là, on examine la piste d'Ève. On doit donc vérifier si Ève a une raison pour voler quelqu'un Y et si cet Y était à l'hippodrome lundi. D'accord? Puisque Ève était présente à l'hippodrome lundi. Alors, deux possibilités, comme d'habitude, donc le manque d'argent ou la jalousie. Le manque d'argent, donc c'est est-ce que Ève est sans argent? Ben non. Rien nous dit que Ève est sans argent, donc on va considérer que c'est faux.
Et de l'autre côté, est-ce que Ève est jaloux de quelqu'un Y, d'une personne Y? Eh bien oui, en fait, on a un fait, puisqu'on a jaloux Ève Marie. Donc il suffit d'avoir d'unifier jaloux Ève Y avec jaloux Ève Marie avec la fonction qui a Y associe Marie, F de Y égale Marie. Du coup, il nous reste quoi dans notre requête? Il nous reste vol Marie, hippodrome lundi. Pourquoi Marie ici? Parce qu'avant, c'était Y. Et on a notre fonction d'unification, elle a mappé Y vers Marie. Donc, est-ce qu'on a le fait que Marie a été volée à l'hippodrome lundi? Eh bien oui, ce fait-là apparaît tel quel dans notre programme. Du coup, on l'enlève, il ne reste plus rien. Et donc, eh bien, on a trouvé une solution. Et la solution, c'est quoi? Ben, c'est la solution. C'est la fonction d'unification qui, enfin, ce sont les fonctions d'unification qui nous la donnent. Suspect de x, on est passé par là. On a mis x, f de x égale f. Donc voilà. On veut les différentes valeurs de x. Eh bien, la seule valeur pour x qu'on a, c'est f. Donc f, ça sera la solution et l'unique solution ici dans notre cas de figure. Voilà comment on. Très intuitivement, la SLD résolution fonctionne et permet à Prologue de raisonner en examinant en fait un certain nombre de cas. On voit bien d'ailleurs qu'ici, avant d'obtenir une solution, qui est la dernière, on est passé par 5 échecs. D'accord? On a examiné 5 branches qui n'ont mené à rien pour finalement examiner une branche qui amène à une solution. On voit bien que aussi c'est très dépendant du sens, pardon, de l'ordre dans lequel sont explicités en fait les atomes dans les règles. Puisque ici on passe de suspect à cet ordre-là, présent, XLJ, raison pour voler, etc. Et on commence par essayer d'unifier présent avec quelque chose. Pareil, ça dépend aussi de l'ordre des faits tels qu'ils sont écrits dans le programme. Si on reprend le programme, voilà, si à nouveau on regarde notre programme, on voit qu'au niveau des vols, alors du coup là j'aurais pas dû les mettre non pardon, c'est bien ça. Au niveau des faits présents, on a d'abord examiné Max parce que le fait présent Max barre mercredi était en premier, avant les autres faits présents. Le deuxième fait présent qu'on a examiné, c'est celui d'Eric, parce que son fait arrive en deuxième, dans l'ensemble des faits présents. Et enfin, on a examiné Ève, parce que c'était le dernier fait. On pourrait d'ailleurs, d'une manière assez intéressante, on va le faire tout de suite, inverser l'ordre pour voir ce qui se passe en fait. Est-ce que ça change quelque chose? Donc, comme je me suis remis dans le programme d'origine, je n'ai plus que Ève comme solution. Alors vous voyez que ici, la différence maintenant, c'est que comme j'ai mis Ève en premier, par rapport à notre arbre, c'est comme si en fait, ici, à la place d'examiner Max en premier, on examinait Ève tout de suite. Et donc en fait, c'est comme si on était sur une de ces deux branches, en fait, puisqu'il y a aussi deux branches dans le sous-arbre de Ève. Mais donc, ça veut dire qu'après, il y a deux autres possibilités qui n'ont pas encore été étudiées. Et Swish nous donne la possibilité d'aller voir après ce qui se passe. Nous dit, ben voilà, j'ai trouvé Ève, mais il y a peut-être encore des solutions, parce que j'ai pas examiné l'arbre complet, donc vous pouvez appuyer sur Next. Quand on appuie sur Next, évidemment, tout est faux, donc là, il va nous dire, ben non. Il n'y a plus de solution. Alors que si on reprend, si on remet Ève en dernier, enfin le Ève, ça va être la première, ça va être toujours la première solution trouvée puisqu'elle est unique. Mais par contre, après, vous voyez, il ne nous propose pas d'aller voir après ce qui se passe puisque en réalité, il a fait exactement cet arbre-là, il a parcouru exactement cet arbre-là. Et arrivé à Ève ici, il sait qu'il n'a plus de lieu avec des choix non effectués encore. Donc il n'a plus rien à examiner. Il peut plus faire un backtracking pour aller faire un autre choix à un moment donné parce qu'il a déjà fait tous les choix. C'est pour ça qu'il ne nous propose pas d'aller voir ailleurs.
Voilà, donc l'arbre de la SLD résolution dépend de l'ordre dans lequel les atomes du but sont examinés, de l'ordre dans lequel on aurait pu mettre les atomes des règles sont écrits aussi. Je peux le mettre. Donc, dépend de l'ordre dans lequel les atomes des règles sont écrits et dépend de l'ordre dans lequel les faits et les règles sont examinés et sont écrits et examinés sont écrits et donc examinés et donc il y a plusieurs arbres possibles, c'est ça qu'il est important de bien avoir en tête. Là, c'est vraiment un arbre qui correspond à un ordre particulier, mais comme on l'a vu implicitement avec Swish tout de suite. Si on inverse, si on met le fait présent Eve Hippodrome lundi en premier des trois faits, avant présent Max bar mercredi et présent Eric bar mardi, alors eh bien, on aura ce sous-arbre en premier. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe de base. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Alors peut-être, si, juste une remarque quand même, c'est qu'on a dit que la SLD résolution c'était un semi-algo. Oui, parce qu'en réalité, dans certains cas de règles, quand on utilise aussi des fonctions, là on n'a pas utilisé de fonctions, on n'a utilisé que des constantes comme Eric ou bar mardi et que des variables comme y, grand Y, XLJ. Mais on peut à l'intérieur en argument avoir aussi des fonctions. Bref, il y a un certain nombre de cas qui font que en réalité l'arbre de résolution est infini. Notamment quand on a des règles récursives aussi. Les règles récursives, c'est si par exemple vous aviez suspect défini en fonction de suspect. C'est-à-dire suspect de x0, c'est présent, c'est raison pour voler, etc. Et c'est aussi suspect d'un autre suspect, par exemple. Donc les règles récursives font que potentiellement on peut avoir des arbres avec des branches infinies, de profondeur infinie. Alors évidemment, examiner, enfin parcourir un arbre comme ça en temps fini, c'est pas possible. Donc on ne peut pas dire que c'est un algorithme, mais c'est un. Mais voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Et dans des cas simples comme celui-là, par contre, l'arbre est fini. Donc là, je vous propose extrait donc du livre, si vous voulez creuser un peu plus loin, des exemples d'exercices. Donc là, vous pouvez aller voir. Alors. Tout ce qu'on vient de voir, c'est vraiment le cœur de Prolog. C'est vraiment voilà, la SLD résolution, la déduction sous la forme d'un arbre, c'est vraiment le cœur. Après, il y a, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, il y a le fait que Prolog est devenu un langage en fait de programmation à part entière, aussi expressif que tous les autres, même si sa syntaxe et la structure des programmes est un peu différente. Et donc, il y a par exemple des fonctions pour afficher des messages, afficher soit le contenu d'une variable, soit des chaînes de caractères, ou sauter des lignes aussi pour avoir un affichage sympa. On peut aussi faire une sorte d'affectation. Alors, il faut faire attention avec le terme d'affectation parce que dans les langages impératifs, quand on a une variable, on peut lui affecter une valeur et puis quelque temps après, on peut lui affecter une autre valeur qui remplace la précédente, etc., etc. Ici, les variables, on peut leur affecter une première valeur éventuellement. Donc ça va être avec la notation is. Si jamais j'ai 5 dans la variable grand X, eh bien, après l'instruction entre guillemets y is x plus 1, je vais avoir 6 dans y. Mais par contre, je ne pourrai plus modifier la valeur de cette variable. Donc si j'ai besoin de la modifier, il faut que je prenne une autre variable. C'est vrai que par rapport à de la programmation impérative, c'est toujours un petit peu bizarre d'avoir des variables comme ça qui, une fois instanciées, ne peuvent plus changer, quoi. Mais bon, ça se fait assez bien, en réalité. On a des opérateurs mathématiques aussi. Et voilà. Alors, aussi, une des grandes différences, c'est qu'en Prolog, on ne l'a pas vu sur l'exemple là, mais c'est qu'en Prolog, on n'a pas de boucle. On n'a pas de for, on n'a pas de while, on n'a pas de repeat until, on n'a pas de boucle. Parce que en réalité, on remplace les boucles par des appels récursifs.
Donc c'est vraiment tout récursif en réalité. Dès qu'on veut faire des traitements un peu compliqués, on va inévitablement passer par des appels récursifs. Voilà. Alors, c'est pareil, dans la philosophie, il n'y a pas de test, puisqu'on va remplacer les tests par des cas, par exemple. Dans notre programme, la définition de raison pour voler, eh bien, elle est définie, elle est faite au travers de deux règles qui sont en réalité deux cas. C'est-à-dire que X a une raison pour voler n'importe qui. Le souligner, c'est n'importe quelle variable. Si X est sans argent, ça c'est le premier cas. Mais on a aussi que X peut avoir pour raison de voler Y si X est jaloux de Y. Donc c'est le deuxième cas. Et bien en fait, via ces différentes règles, on peut implémenter des tests en quelque sorte. Bon, après, c'est pas forcément la version la plus pratique pour faire des tests. Et il y a quand même, notamment dans SWI, une manière de faire des tests. Mais bon, ça commence à être un peu évolué déjà. Puis là, on commence sensiblement par s'éloigner de la programmation déclarative pour voir justement cet aspect, en quoi est-ce que Prolog, c'est vraiment un langage de programmation universel. Et du coup, forcément, on va retomber sur des fonctionnalités, même si elles ne sont pas écrites, présentées de la même façon, sur des fonctionnalités qui sont présentes dans les langages impératifs classiques. C'est juste que les boucles sont remplacées par des appels récursifs et par exemple les tests, on peut les remplacer par des cas. On a aussi donc un mécanisme d'unification, hein, on l'a vu, qui est très important. Les variables sont non modifiables. Et puis alors le dernier point aussi très important en Prolog, c'est la présence des listes. C'est aussi important, voire même plus, je dirais, que peut-être même plus que les tableaux dans un langage de programmation classique. En Prolog, il n'y a pas de tableau, d'accord? Il n'y a pas d'accès en temps constant à des cases d'un tableau en fonction du nom du tableau et d'un indice de tableau. En Prolog, il y a des listes. Et donc, ben, quand on veut faire des modifications sur une liste, il faut parcourir la liste et ça se fait d'une manière récursive. Donc, c'est ce qu'on va voir juste maintenant parce que les listes, c'est quand même très très important en Prolog. En fait, l'idée, c'est ça, c'est que ça remplace toutes les structures de données qu'on peut imaginer. Donc, voilà, c'est pour dire que c'est important, parce que si on n'a pas de structure de données possiblement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, comment est-ce qu'on décrit une liste? Alors, une liste, en fait, en Prolog, c'est un ensemble d'éléments séparés par des virgules. Alors, ça peut être des variables, ça peut être des constantes, ça peut être des termes avec des fonctions. Et tout ça, c'est entrecroché. Donc, par exemple, ici, entre crochets, on a Toto, donc ça c'est un nom de constante, X est un nom de variable, et F de truc Z, c'est la fonction F, une fonction, petit f, appliquée à truc une constante et à Z une variable. Et ça fait un terme, le troisième terme de la liste. Voilà, alors pour gérer ces listes-là, pour manipuler ces listes-là, on va. Comment dire? On va voir les listes comme on va voir chaque liste comme étant composée d'une tête et d'une queue. Alors la tête de liste, c'est le premier élément de la liste. En fait, c'est un peu plus large que ça. On peut mettre plusieurs éléments en tête de liste, mais bon, considérons que la tête de liste, c'est le premier élément de la liste. Et la queue de la liste, ben, c'est tous les autres éléments. C'est la liste sans le premier élément. Donc évidemment, alors la liste vide, c'est les crochets sans rien entre les crochets. Et voilà, les éléments sont séparés par des virgules. Et le signe qui nous permet de syntaxiquement séparer la tête de la queue, c'est le pipe. D'accord? C'est le Alt+Gr 6 sur votre clavier. Donc ici, donc Toto X F de truc Z, ça c'est une liste qui est donnée élément par élément. On peut avoir aussi la liste Marie, Ève, Stade, Hippodrome, Lundi, Luc. Donc ça, c'est encore une fois donné élément par élément. Mais on peut aussi l'écrire sous la forme tête et queue. Alors, il faut toujours mettre les crochets. Mais on met la tête, donc premier élément, le pipe et la queue. Alors la queue, attention, la queue, c'est une autre liste, évidemment, qui sera composée d'un élément de moins que la liste globale. Donc Ève, Stade, Hippodrome, Lundi, Luc. Donc on va mettre des crochets dans les crochets. Au niveau du deuxième argument après le pipe. Ça, c'est la queue de la liste.
Alors, encore une fois, on peut avoir une tête de liste composée de plusieurs éléments, donc est, virgule, enfin Marie, virgule, est, virgule, stade, pipe et la queue de la liste, donc les éléments qui restent, mais sous forme de liste. Et on peut aussi avoir une variable en queue. On peut dire, ben voilà, ça c'est une liste, c'est la liste qui commence par Marie, Ève, stade, et après il y a une queue de liste, mais pour le moment on ne la connaît pas. On verra, on instanciera X par la suite. On peut avoir une liste avec un élément, et la liste avec un élément, bon, ben, on peut la représenter soit juste l'élément entre crochets, soit l'élément pipe et la liste vide. Voilà. Et le tout entre crochets, toujours. Donc on voit bien qu'une liste, dans le cas général où il y a plusieurs éléments, c'est un élément suivi d'une autre liste. Et donc on commence à sentir l'aspect un peu récursif du traitement. Par exemple, si on veut créer un prédicat qui nous permet de dire si tel ou tel élément appartient à telle liste, comment on fait? Alors on va l'appeler app, on aurait pu l'appeler member ou membre, peu importe. Donc app, ça va être quoi? Ça va être un prédicat qui prend deux arguments. Un élément x et une liste l. Et app nous renverra vrai si x appartient à l et faux si x n'appartient pas à l. Puis en plus, on verra qu'on peut avoir encore d'autres résultats. Mais déjà, partons là-dessus. Donc voilà, app de x l doit envoyer vrai si x est. Alors oui, pardon. Donc c'est ça, c'est ça. App de x l renvoie vrai si x est un élément de la liste l, peu importe sa position. Donc après, on va raisonner récursivement. Donc c'est là où il va falloir commencer à raisonner récursivement, quoi, enfin, à reprendre les exemples de programmation récursive que vous avez pu rencontrer par le passé. Et donc en général, on a quoi? Souvent, on a un cas d'arrêt, d'accord, dans une fonction récursive, et on a un cas récursif. Alors le cas d'arrêt qu'on va tester ici, bah, c'est le cas où L a comme premier élément X. Si L a comme premier élément X, alors app de X avec cette liste L qui a comme premier élément X est vrai, puisque X est le premier élément et est bien dans la liste, puisqu'il est tête de liste. Donc ça, c'est le cas d'arrêt. C'est quand on trouve l'élément. Et deuxième cas. Alors, il faudrait aussi, et en fait, c'est un bon. En fait, ça serait bien. Peut-être d'avoir un cas supplémentaire que je vais ajouter tout de suite. On va l'appeler le cas 0. C'est app de x et liste vide. Ça doit renvoyer faux. D'accord? Parce que si la liste est vide, ben, il n'y a pas l'élément, c'est sûr. Alors, on peut l'écrire d'une autre manière. On peut dire ça comme ça, doit envoyer faux si L est vide. Et ça, c'est souvent le cas. Hein. Quand on fait de la récursivité avec des listes, premier cas qu'on étudie quasiment tout le temps, c'est quand la liste est vide, comment ça se comporte? Quel est le résultat? Donc là, ben, là, ça doit envoyer faux, forcément. Et donc c'est important, c'est vraiment un cas d'arrêt qui doit nous permettre d'arrêter les appels récursifs. Le deuxième cas, donc, c'est le cas qu'on vient d'examiner. C'est le cas où X est en tête de liste, et donc bah, il est bien dans la liste, puisqu'il est en tête de liste, et donc on doit renvoyer vrai. Et le cas général, je dirais, le cas récursif en tout cas, c'est en supposant que la liste, c'est une tête suivie d'une queue, en sachant qu'en ayant bien en tête que la queue Q, c'est elle-même une liste. Alors, si la tête de liste, si T, n'est pas égale à X, pour que app de X, L renvoie vrai, il faut que X appartienne à la queue. D'accord? C'est récursif. D'accord? Si X n'est pas en tête de liste, il faut que X appartienne à la queue de la liste pour que globalement X appartienne à la liste. Donc voilà, et ça c'est l'idée c'est de coder ça. Alors on peut essayer de le faire. On va se mettre sur Swish.
on va enlever notre programme et on va faire app. Donc, on veut déterminer. Alors, ça peut être intéressant de bien prendre l'habitude aussi de documenter, même très sommairement, nos programmes. Donc, app de XY, c'est prédicat qui dit si X est un élément de la liste L. Voilà. C'est au moins ça pour dire voilà qu'est-ce que c'est que X, qu'est-ce que c'est que L et que fait le prédicat. Alors, on va commencer avec le cas, le premier cas. Alors, vous voyez, pour mettre des commentaires, c'est le pourcent, ou bien aussi on peut mettre slash étoile et le texte qu'on veut, et on termine par étoile slash. Donc le cas 0, c'est le cas où L est vide. Alors L est vide, comment on va l'écrire? On va dire, ben voilà, L est égal à liste vide. Alors quand on met égal comme ça, attention, ce n'est pas l'affectation classique qu'on a en C, en Java ou autre, c'est l'unification en fait. L'idée, c'est de dire ici, cette ligne-là, ça va renvoyer vrai. Et évidemment, il faudra que toutes les lignes de mon programme soient vraies pour que ça renvoie vrai au final. Cette ligne-là est vraie si je peux unifier L avec la liste vide. Et donc, le seul moyen d'unifier une liste, enfin d'unifier une variable avec la liste vide, c'est qu'en réalité, la variable ait été instanciée avec la liste vide. D'accord? Par exemple, si jamais je... Ah zut. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était ce plus-là. Par exemple, si j'ai... Voilà. Si jamais je lui dis est-ce que la liste par exemple je lui dis voilà est-ce que la liste avec A et B peut être unifiée avec la liste vide? Ça c'est une requête. D'accord? Puisque je suis dans le point d'interrogation. Là, j'ai une erreur de syntaxe. C'est bizarre, normalement ça devrait me mettre faux. Bon, ça me met faux, mais... Ah oui, non, c'est... Pardon. L'erreur de syntaxe, elle vient de mon programme, parce que oui, il essaye de consulter le programme avant. Pardon. Voilà, donc là, il me met une remarque, mais c'est toujours une remarque sur le programme. Je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Mais si... Alors, je vais enlever ça. Voilà, donc j'ai pas de programme. D'accord? Et là maintenant, si jamais je veux tester juste ça, voilà, là c'est faux. D'accord? Si je fais maintenant ben, la liste vide, est-ce que la liste vide est unifiable avec la liste vide? Voilà, et que j'exécute cette requête-là, là il va me mettre vrai, ce qui paraît à peu près sensé. Et si je lui demande, en fait, est-ce que x, une variable, pour le moment, il n'y a rien dans cette variable, puisque c'est une nouvelle variable que je viens de donner, est-ce que x est égal à liste vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que x est unifiable avec liste vide? Et ça veut même dire autre chose, ça veut même dire, si c'est unifiable, alors, ben, dis-moi comment, quelle valeur donner à x pour qu'elle soit unifiée avec liste vide. Voilà. Et là, quand on exécute la requête, ben la seule solution possible, c'est que x soit égal identiquement à liste. Bon, bref. Donc là, je reviens au programme. Donc, premier cas, c'est si la liste est vide. Si la liste est vide, eh bien, on a dit quoi? On a dit qu'il fallait renvoyer faux. Donc, on peut écrire les choses comme ça. Voilà. Si la liste est vide, x n'est pas dans la liste vide, puisque la liste est vide. Donc c'est un cas d'arrêt. Le deuxième cas, si on revient ici, c'est le cas où la liste où X est en tête de liste. Donc qu'est-ce qu'on va tester en premier? On va tester si L est une liste avec une tête pipe suivie d'une
d'une queue, Q, une tête T et une queue Q. Alors évidemment, si jamais on a. Alors, là encore. Donc, bon, on verra ça plus tard. Donc, deuxième cas, c'est si la liste contient x en tête de liste. Donc, en fait, c'est pas la peine de mettre x ici. On peut mettre de mettre t ici. On peut mettre x directement. Donc, si en fait l contient en tête de liste x, qui est donc le même que celui qu'on cherche à savoir s'il est dans l, alors, ben, forcément, c'est vrai. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, c'est le cas récursif. C'est le cas où la liste, c'est une tête indéfinie suivie d'une queue. On peut même dire que T n'est pas unifiable avec X. On ne peut pas faire matcher T en X, bref. Et donc là, la seule possibilité pour que ce soit vrai, c'est que X soit dans la queue. Et donc, on a un appel récursif. À ce moment-là, on réappelle app de X, appartient de X non plus à Q, à non plus à L, mais à Q maintenant. Et évidemment, si voilà, c'est marqué recursive call, donc ça c'est super, c'est effectivement l'appel récursif. Si cet appel récursif est vrai, si on l'a fait, si on l'a testé cet appel récursif, c'est que cette instruction-là et cette instruction-là étaient vraies aussi. Et donc, ben globalement, si cet appel-là est vrai, ça veut dire que les trois instructions, en fait les trois lignes, les trois atomes de la règle de la règle du cas numéro 2, sont vrais et que donc app de XL est vrai. Alors ici, il y a une petite. Donc ça, c'est vraiment de la syntaxe naïve. Pourquoi c'est naïf? Ben, parce qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on donne mais qui servent à rien. Alors par exemple, c'est ce qui est donné ici en gras. D'ailleurs, on a un message, la variable appearing only once. Ça veut dire que cette variable-là, elle n'apparaît qu'une seule fois, le Q ici. En fait, je lui ai donné un nom. On a donné un nom à la queue de la liste, mais finalement, on n'en a pas besoin, puisqu'on ne s'en resserre pas nulle part ailleurs. Donc, au lieu d'avoir une variable comme ça qui ne sert à rien, ben, on veut une variable, mais on ne veut pas la nommer, donc on la remplace par souligner. C'est la même chose ici. Ici, en fait, le X, on cherche à tester si X est dans L, mais comme. De toute façon, L est vide, quel que soit X, quelle que soit la variable X, de toute façon, ça sera faux. Donc, ce n'est pas la peine de mettre un nom de variable. Ici, on peut mettre quelle que soit la variable qui apparaît ici, enfin, qui est en premier argument de appartient, eh bien, de toute façon, ça sera faux, donc on ne lui donne pas de nom. Alors, on va tester nos requêtes. Je vais supprimer. Est-ce que je peux supprimer ces requêtes-là? Alors on va créer une requête ici, du coup, qui va nous permettre de tester l'appartenance. Par exemple, on va tester si A appartient à la liste A, B, C, D, E. Voilà. J'exécute, oui, c'est vrai. Alors, il me dit, mais il y a peut-être d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'en fait, A apparaît peut-être plusieurs fois. C'est peut-être vrai de plusieurs façons. C'est normal, puisque en fait, A est le premier, donc c'est le premier qui est testé. Donc, c'est vrai, mais comme il n'a pas encore testé les autres éléments, peut-être que c'est vrai d'une autre façon. Évidemment, ça ne sera pas vrai d'une autre façon, puisque les autres éléments ne sont pas égaux à A. Alors, pour faire d'autres tests, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester si A appartient à la liste vide. Voilà, donc là c'est faux. La liste vide, c'est faux. Il n'y a pas de choix, c'est faux. On peut tester si A appartient à une liste avec un seul élément, par exemple R.
Là, c'est faux aussi. Okay, donc ça a l'air de marcher. Pas la preuve absolue, mais bon, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et alors, ce qui est intéressant, et ce qu'on ne voit pas du premier abord, c'est que, bon, elle a l'air de fonctionner, notre prédicat a l'air de fonctionner, mais en plus, là, on a fait des essais uniquement avec des constantes, avec des valeurs où il n'y avait pas de variables. Qu'est-ce qui se passe si on met des variables? Par exemple, si je reprends cette requête-là, et qu'à la place de A, je mets grand X. À la place de A, si je mets grand X, qu'est-ce que je lui demande en fait? Là, je lui demande quoi? Je lui demande, est-ce que X appartient à cette liste-là? Et si oui, ben dis-moi par quoi est-ce que je peux remplacer X pour qu'il appartienne vraiment à cette liste? Donc en théorie, il faudrait qu'il nous renvoie A, mais aussi B, mais aussi C, mais aussi D et aussi E. Est-ce que ça marche comme ça? Ouais, A. Et après, ça marche plus. C'est bizarre. Normalement, on devrait avoir, si c'était bien programmé, c'est peut-être mal programmé en fait, mais on devrait avoir plusieurs solutions. Alors, je vais retester. Non, effectivement, là, il n'y a que A qui marche. Alors, pourquoi il n'y a que A qui marche? C'est là où il faut revenir sur le code. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas les autres solutions? En fait, quand on regarde bien, il y a un endroit où on l'empêche, en réalité, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est-à-dire que, ici, ce qui pose problème, c'est ça. On a trois cas. On a fait nos trois cas et on a pensé nos trois cas pour qu'ils soient exclusifs, en fait. C'est-à-dire que dans le premier cas, on avait une liste vide. Dans le deuxième cas, on a une liste avec au moins un élément. Donc on ne peut pas, en fait, à partir d'une situation donnée, d'une requête donnée à app, on ne peut pas faire le premier appel et puis tester l'appel suivant. Parce que tout simplement, la liste n'aura pas la même. Enfin, si la liste est connue, soit elle correspond à une liste vide, soit elle correspond à une liste non vide, mais elle ne peut pas correspondre aux deux. Et ici, si elle correspond à une liste non vide, donc on serait censé. On pourrait se dire, bah voilà, elle va d'abord essayer ce cas de figure-là, et puis ensuite, elle va essayer ce cas de figure-là. Mais ces deux cas de figure, en réalité, ils sont exclusifs. On peut pas, ils peuvent pas être vrais tous les deux. Pourquoi? Parce que dans le premier, en fait, X est le premier élément. Et dans le deuxième, X, en fait, le premier élément de la liste, c'était, et cet élément-là, on l'a imposé comme étant non unifiable avec X. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cas où X n'est pas le premier élément, mais par contre peut être dans la n'est pas la tête, mais peut être dans la queue. Et du coup, ben, quand on a une variable X et qu'on a notre cas, donc c'était quoi comme requête? C'était ici app de X, A, B, C, D, E. Quand on l'exécute, comme on a L égale ABCDE, on ne va pas passer dans ce test-là parce que la liste n'est pas vide. On va passer dans ce test-là, on va voir que ici, ben, c'est le cas où le premier élément c'est A, et donc ça correspond à X, et donc on va faire l'unification entre X et A pour que ça matche, et ça va marcher comme ça. Mais après, quand on va essayer de passer là, eh bien ça ne marchera plus. En fait, on passera jamais à l'appel récursif. Pourquoi? Parce que en réalité, on peut faire le comment? On peut faire le la, puisque x est une variable ici et que t est une constante a, on peut toujours faire l'unification entre x et t. Donc le fait que t ne soit pas unifiable avec x ici, c'est toujours faux puisqu'on peut toujours faire l'unification. Donc comme cet atome-là est faux, eh ben on s'arrête, on ne va pas plus loin. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va élargir un peu notre programme et on va dire X est bien dans L s'il est en tête, mais X est dans L si peu importe la tête, il est dans Q.
Et il peut être à la fois en tête de liste, mais aussi en queue de liste, et à chaque fois, les deux appels doivent être vérifiés. Donc, si on essaye comme ça, alors j'arrête. Si on essaye comme ça, donc là, j'ai A, ensuite j'ai B, ça y est, il fait l'appel récursif, C, D, E, et bien sûr, après, il n'y a plus rien, donc il s'arrête. Donc, on voit qu'en fait, ce prédicat d'appartenance, il marche maintenant pour tester. Quand on a aucune variable, d'accord, quand on a des constantes dans notre liste, mais il marche aussi quand on a des variables. Alors, est-ce que ça marche quand on a par exemple une variable en plein milieu de la liste? Mettons que là maintenant je vais rechercher si on a z, et si là je mets une variable grand X. Ben, a priori, le seul moyen pour que ça soit vrai, c'est que grand X soit égal à Z. Voilà. Il arrive à trouver grand X égale Z. Parce que à chaque fois, il fait la comparaison, il essaye d'unifier en fait les valeurs. Et il peut unifier X avec Z en remplaçant X par Z, tout simplement. On peut même aller encore un petit peu plus loin. Si on a un terme un peu plus compliqué qu'une constante, par exemple f de grand X et grand Y. Et si là, on a f, ou alors f de grand X et a, et si là, on a f de s et t, bah, le seul moyen pour que l'appartenance de f de xa à la liste ici soit vraie, c'est que x devienne égal à s et que t devienne égal à a. Voilà, il arrive à trouver ça aussi. Donc c'est quand même très puissant, ça nous permet de, voilà, en utilisant toujours cette unification et ce parcours arborescent avec backtracking, on peut faire des choses vraiment très, très sympathiques. Et on voit ici que, alors certes, il y a un appel récursif, donc on n'a pas besoin de boucle, mais qu'on va au-delà en fait. On voudrait coder un prédicat comme ça ou une fonction comme ça en langage C ou autre. Ben, ça serait pas du tout immédiat. Ça serait possible, bien sûr, mais ça serait pas immédiat. Il faudrait programmer plein de choses. Alors, on va revenir à la présentation. Alors, le code n'est pas tout à fait le même. Alors, ben, voyons voir ce qu'on a fait. Oui, alors, le code n'est pas tout à fait le même. Alors, pourquoi? Ben déjà parce que ici alors pourquoi j'ai pas mis le cas de la liste vide en fait? Ben, le cas de la liste vide, si on revient au code qui a l'air quand même naturel et surtout assez obligatoire quand on traite des listes, c'est qu'en réalité le cas de la liste vide il est toujours faux, il aboutit toujours à faux. Donc en fait c'est un appel qui peut jamais réussir. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on enlève ce cas-là et qu'on le met en commentaire, comme ça, donc le cas n'est plus envisagé. Si jamais on a juste ça, on voit qu'en réalité, à chaque fois dans L, j'ai au moins un élément, puisque ici j'ai une tête et une queue, mais j'ai une tête, donc j'ai au moins un élément. Et dans L, ici, deuxième cas, j'ai au moins un élément, je ne connais pas son nom, mais je sais qu'il est là, et j'ai une queue. Donc ça veut dire que si jamais je tombe sur une liste vide, ben, en réalité, il n'y a aucun des deux cas qui correspond. Et quand il n'y a aucun des cas qui correspond, c'est que c'est faux. Donc en fait, mon premier cas qui me semblait, mon cas 0 là, qui me semblait indispensable, je peux le laisser, et voilà, il n'y a pas de souci, mais en réalité, il ne sert pas. Alors vérifions ça quand même, par exemple avec cette requête-là. Voilà, on voit que à partir du moment où on a une liste vide, ben c'est faux. On peut même mettre une variable là si on veut. Je pense que ça devrait marcher aussi. Voilà, c'est encore faux. D'accord? Alors qu'on n'a pas de cas, tout simplement parce que ben justement, on n'a aucun cas qui traite de la liste vide, donc ben c'est que c'est faux. Donc c'est une manière aussi de. Alors quand on débute, c'est mieux, c'est un peu plus clair souvent pour établir une bonne récurrence. De toujours examiner le cas où la liste est vide, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y a certains cas où on peut, comme ici, où on peut s'en affranchir. Il y a une autre remarque aussi, c'est que
Donc en fait, je vais recopier ce code-là et je vais l'appeler app numéro 2. Donc app numéro 2, il n'y a pas besoin de cas 0, il n'y a que un cas 1. Et app numéro 2, donc il faut que je fasse un appel récursif à app 2. Dans app 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi condenser un peu la syntaxe. Puisque ici j'ai L qui peut s'unifier avec ça et que là j'ai L, bah, autant mettre directement L dans la tête de la règle, comme ceci. Du coup j'enlève cet atome. Mais comme, et maintenant comme j'ai plus que true, comme, et qui est forcément vrai, puisque c'est l'atome qui est tout le temps vrai, bah, en fait je peux juste enlever ça. Et là, mon cas 1, il dit exactement la même chose que ce cas-là. Alors, il est moins détaillé, donc c'est peut-être un peu plus difficile à lire, mais il dit exactement la même chose. C'est-à-dire que x appartient à une liste qui commencerait par x et qui aurait en queue n'importe quoi. Et là, je peux faire la même chose, du coup, ici. Je peux prendre L et la mettre en tête, donc j'enlève cet atome-là. Et là, voilà, une liste X appartient à la liste qui commence par un truc n'importe lequel et une queue, si X appartient à la queue. X appartient à la queue, ça veut dire que X appartient à la queue plus un élément en tête n'importe lequel, que ce soit X ou pas d'ailleurs. C'est une autre manière, dans ce cas-là, on peut l'écrire sur une seule ligne. C'est une autre manière aussi de d'écrire. Voilà. Et donc, si je reviens à la présentation. Bon ben, j'ai pas intégré à la liste, mais bon, c'est exactement la même chose. Et donc on a fait les tests qu'on souhaitait faire. Ah oui, un test intéressant, c'est celui-là. Faisons-le. Dans Sui. Si on met. Donc on va prendre app2, du coup. Et puis on dit que on veut chercher A dans une liste L. Qu'est-ce qu'il va nous donner en fait? C'est-à-dire qu'en gros, il va chercher à donner une valeur à L pour que A soit dans L. Alors comment ça marche? Alors, là, il commence par dire, ben voilà, L, ça peut être la liste avec A en tête et avec une queue. Alors quand on a des soulignés avec un chiffre, ça, c'est les noms des variables en interne, en fait. Nous, dans un programme, les noms des variables commencent par une majuscule. Alors, c'est soit une seule majuscule, soit une majuscule, et puis d'autres caractères. Mais en interne, pour Prolog, c'est un souligné avec un numéro. Donc, il nous dit, ben voilà, on peut commencer avec A, et puis n'importe quelle liste après. Ça peut être la liste vide, mais ça peut être autre chose. Et puis après, A. Après, ça peut être une tête, A vient en deuxième et une queue. Et puis A peut venir en troisième position avec deux éléments, n'importe lequel avant, mais voilà, qui existent, et puis une queue, etc., etc. Évidemment, là, ça ne s'arrête jamais, puisque A peut se trouver en position n pour n, n'importe quel entier. Donc c'est quand même très puissant, ça aussi. D'accord? Avec simplement la définition de l'appartenance d'un élément à une liste, on arrive à générer une liste générique avec des variables à l'intérieur qui couvre tous les cas pour lesquels A est dans la liste. Donc c'est pareil, faire ça en programmation impérative, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc voilà, ça c'est ce sont c'est ce qu'on vient de faire. Hein. Voilà, on dit que L est unifiable avec la liste. Hein. Ça c'est l'appel récursif, on l'a vu. Et donc après, ben, on peut avoir tout un tas d'exercices. On va en faire certains dans le TP. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez tout ce qu'il faut pour bien démarrer Prolog. Voilà, je vous donne donc rendez-vous bientôt. Au revoir.